Boker Tov à tous, on dit ensuite « Uvesifte » et avec les lèvres des tzadikim, des justes, « Titbarar, tu seras béni ». Et en fait, quand on dit que quelqu'un est juste, c'est le même mot que la justice, que la justesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre que rien dans ce monde n'est laissé au hasard. Il y a une justice. Même si nous, on ne la voit pas et on a l'impression qu'on est à la merci des êtres humains et que chacun peut faire un procès à l'autre et que chacun peut s'énerver avec l'autre et que les gens peuvent même se tuer entre eux, on a envie de dire « Mais Akadosh Baruch Hu, elle est où ta justice ?» Il y a une justice. Et ça, qui c'est qui peut voir la justice d'Akadosh Baruch Hu? Seulement quelqu'un qui est tzaddik, qui est juste. Un tzaddik, c'est une personne qui comprend Akadosh Baruch Hu. Et que même si elle ne comprend pas Akadosh Baruch Hu, elle va se dire déjà d'office, Dieu, je sais que tu es juste. Donc dès qu'il va lui arriver quelque chose qu'elle ne va peut-être pas forcément comprendre, la première réaction qu'elle va avoir, c'est de dire, Dieu, je sais qu'il y a une justice. Je sais que ce n'est pas arrivé par hasard. Et je sais que je dois passer par là pour moi aussi devenir juste. Et donc quand on dit que les tzadikim, ils vont bénir Akadosh Baruch Hu. On sait que la source de bénédiction, c'est Dieu. Donc comment est-ce qu'un juste, il peut bénir Akadosh Baruch Hu? Parce qu'étant donné que Dieu, c'est la source de bénédiction et qu'il a mis toutes les bénédictions à notre portée, à nous, quand nous, on sera juste, eh ben, on aura accès à toutes les bénédictions. Et la seule personne, si on peut appeler Akadosh Baruch Hu une personne, la seule personne qu'on aura envie de bénir, c'est Dieu. Parce qu'on va se rendre compte que dans ce juste, il y avait, dans ce monde, pardon, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Il n'y a personne qui est à la merci de personne. La seule chose qu'on nous dit, c'est que maudit soit la personne qui a confiance en l'homme, et que béni soit celui qui a qui met sa confiance en Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu c'est le garant. Et toute notre vie, elle est faite qu'on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde. Il abandonne personne. Il y a une justice à chaque chose, à chaque étape. Et quand on grandit comme ça, on avance comme ça dans la vie, on peut que devenir un tzaddik. Bonne journée à tous.